C'est parti! Direction les vacances et vous allez préparer la valise avec moi. Je vais vous partager des petites astuces et on va commencer sans plus tarder par l'astuce numéro 1 qui est pour moi vraiment la plus importante, c'est de fonctionner par tenue pour éviter de prendre, vous voyez, une tonne de vêtements qu'on ne va pas porter. Alors personnellement, ça fait maintenant 2-3 ans, je crois même plus, que je fonctionne vraiment par tenue. Donc là, vous voyez par exemple, j'ai une jupe, j'ai mon sous-pull que je mets dedans, ma chemise et voilà, je sais que j'ai une tenue et j'essaie vraiment de fonctionner comme ça. Ça pour éviter de prendre des vêtements en trop. Alors je vous montre. Tadam! Une tenue, deux tenues, trois tenues, quatre tenues, cinq tenues. Voilà. Pour les sacs, alors je prends toujours des petits pochons. Ben oui, on va pas abîmer les sacs. Et si ce sont des sacs de luxe, eh ben je les prends avec moi dans l'avion. Non, non, je les mets pas en soute. Alors pour le maquillage, donc j'ai ici une petite trousse. Là, j'en ai pris beaucoup. Ah, oui, j'en ai pris un peu beaucoup quand même, hein, du maquillage, parce que j'avais assez de place. Donc, mes soins, et voilà, pour les pinceaux, j'aime bien prendre une pochette à part pour ne pas les abîmer. Voilà, les foulards. Ah, les foulards, c'est la vie. Je roule, on roule, allez hop, on roule, on roule, on roule. Des fois, je mets ça à l'intérieur des tenues, mais il m'arrive aussi de rouler tout simplement et de mettre ça dans une pochette. Et bien sûr, on n'oublie pas les petites épingles. Oui, j'aime bien compartimenter, donc j'ai ici des petites pochettes qui m'aident à m'organiser. En l'occurrence ici, ce sont mes vêtements pour la piscine, mes burkinis. Voilà, pour les chaussures pareil. Bah oui, on va pas mettre les chaussures comme ça avec les vêtements, donc j'utilise des petites pochettes. Et voilà, donc je vais tout simplement venir, comme vous le voyez, rouler. Donc, vous voyez, en gros, vous ouvrez votre valise et vous savez la tenue qu'il vous faut. Une, deux, trois, quatre, cinq. Je ne sais plus combien j'en ai pris, d'ailleurs j'ai fait des modifications entre-temps finalement, mais vous voyez que ça permet vraiment de visualiser et c'est parfait, franchement parfait. Ah oui, sous-vêtements et bien sûr le pyjama toujours au-dessus, surtout quand on arrive le soir, on n'a pas envie d'aller chercher le pyjama au milieu des vêtements, donc personnellement j'aime bien le poser au-dessus. Alors de l'autre côté, je vais mettre ben voilà, toutes mes pochettes, vous voyez. J'aime bien utiliser des pochettes, j'aime bien que tout soit compartimenté, je trouve que ça fait moins désordonné. Et voilà, le chapeau à l'intérieur, je mets mes lunettes et d'autres choses éventuellement. Et voilà, la valise est prête. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, with Hasnabi, pour connaître la destination. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me laisser vos petites astuces en barre d'information. Non, pas en barre d'information, en commentaire. Bye bye.